nous tous au sein du Parti travailliste et beaucoup du monde dans l'opinion publique fin indigné, scandalisé par une photo qu'il expresse fin publiée depuis samedi. Cette photo là, Pivin prouve quoi? Nous qui avons la photo là, que le Premier ministre content dans ces gars, et c'est connu. Que le Premier ministre content Djambé, c'est connu. Que le Premier ministre content d'une fête, fin de pas de danse, c'est connu. Que le Premier ministre connaît l'activiste du post-travail, c'est connu. Voilà l'idée des photos voilà. De l'Express. Qui a envie de montrer un ben, lien qui soi-disant zut conclusion ça. Ouais. Alors, quand on fait business, ça veut dire, Premier ministre, il ne faut pas l'anniversaire, dit tout sur la ville. Premier ministre, il ne faut pas aucune fête à cause... Un dimanche fait business, l'inré ici dit de sa fête là. Amène une campagne ou fait une campagne l'article, ou faire l'enquête, faire quoi que ce soit pour savoir si il a passe droit ou pas passe droit. Mais sa violation de la famille, de la cellule familiale, est condamnable pour nous et pour la population. Et moi quoi l'opinion publique en général, sauf quelques hypocrites qui ont envie dénigrer le Premier ministre, une envie bouffonne-li, ridiculise-li. Et c'est vrai, à nous répéter encore une fois, c'est une vie de l'homme à abattre. Et lui honte pour guette jusqu'à qui point la haine pour un monde capable de pousser un journal à agir de cette façon. Pas venir écouter sa petit éditorial qui n'est créé, qui lit Nad Siva Ramen, qui lit Rajmita Oban, qui lit Fauzet, tous les trois peuvent dire non, il a le droit de danser, c'est un bouc sympathique, c'est un jovial, c'est un mauricien. C'est bon. Après, vous mettez 5 photos, elle peut danser, ce gestuel de danse, c'est pour ridiculiser, c'est pour dénigrer, nous connaît. Photo là, penanonye d'immoral, penanonye d'illicite, penanonye de condamnable. Mais qui raison vise à publier sa photo là? Donc, le rôle que le journal L'Express Tibisa assume en tant que journalisme responsable, il n'est pas d'assumer ça du tout. Nous accuse L'Express besoin d'un rôle politique. Il ne faudrait pas nous pas faire la liaison et la connexion de sa bonne photo qui est publiée là avec le contexte politique du jour. La situation politique du jour, c'est qu'il paraît qu'il y a une entente entre le Parti travailliste et le MMM, et il paraît qu'il est capable de déboussoler l'alliance. Lorsque l'Express publiait sa photo-là samedi, il a annoncé déjà samedi. Il fait un marketing, une publicité déjà. Livin dope ses ventes en annonçant qu'il pour le lendemain, dans l'Express dimanche, pour y en a d'autres photos qu'il pour publier. Ça, c'est la motivation. Rien qui conforme à la déontologie journalistique, une démarche de marketing bassement commercial. C'est qui, là, quand maintenant l'Express tient le style, on dit que c'était tout journal. Le journal, qui fait mes journal en vente? Pour dire que c'était non. Le Parti travailliste n'a pas aucun mot d'ordre. Parce que c'était aucun journal. Le Parti travailliste n'a absolument rien à faire avec ça.